Alors, la première chose, c'est de se questionner en tant que parent, quel modèle de lecteur on donne aux enfants? C'est-à-dire, en tant que parent, est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on a du plaisir à lire? Est-ce que l'on montre que l'on a du plaisir à lire? Ça, c'est, je dirais, la première chose. La deuxième dimension qui me paraît extrêmement importante en tant que parent, c'est les temps de lecture partagée. Et toujours dans cette dimension de plaisir. Alors la lecture partagée, elle peut commencer très tôt, comme on l'a vu, c'est-à-dire dès que l'enfant est tout petit, il peut être dans, même s'il ne comprend pas encore vraiment le sens des mots, il peut déjà accéder à ces temps de lecture partagée, surtout s'il y a des enfants plus grands, hein, il peut être intégré dans ces moments-là. Les temps de lecture partagée, bah, c'est des moments où on met en place un rituel. En général, très souvent, c'est avant d'aller se coucher, hein, la petite histoire avant de s'endormir. Et donc, dans ces temps-là qui vont se passer dans un climat affectif, un climat de sécurité affective qui est important pour l'enfant, on peut penser que c'est là-dessus que l'enfant va pouvoir vivre ce plaisir de lire. Il y a un auteur qui s'appelle Daniel Pennac qui dit qu'il ne faudrait pas arrêter trop vite ces temps de lecture partagée. Quand l'enfant commence à savoir lire, généralement on lui dit débrouille-toi, hein, alors que peut-être pour conserver ce plaisir de lire, ça pourrait être intéressant de le prolonger plus tard. Une autre dimension, c'est de se dire qu'est-ce qu'on propose à l'enfant au niveau de l'organisation de la vie quotidienne pour qu'il ait le temps de lire et l'espace pour lire. Est-ce qu'il a des endroits dans la maison où il peut lire tranquillement? Est-ce qu'il y a des moments, hein, alors Daniel Pennac dit aussi que pour lire, pour aimer lire ou chercher à lire, il faut s'ennuyer. Et est-ce que nos enfants ont encore le temps de s'ennuyer quand on sait que même dans les voitures, maintenant, il y a des écrans? Donc, c'est s'interroger sur cet espace qui va être ouvert pour la lecture. Moi, j'ai aussi envie de dire que, en tant que parent, c'est vraiment se centrer sur le plaisir. Les enseignants ont le côté de l'apprentissage, hein, mais pour les parents, ce qui est important, c'est la notion de plaisir, qui va être plus de l'ordre, voilà, de la place qu'on va faire dans la vie quotidienne. Et certes, il y a beaucoup de concurrence. Il y a la concurrence des écrans, hein, et c'est vrai qu'il faut faire attention quand même à la place que prennent les écrans. Mais il y a aussi une évolution qui fait que les supports numériques ne sont pas non plus à exclure complètement, puisque on sait maintenant qu'il y a des livres quand même qui peuvent être lus sur des supports numériques, et que voilà, c'est une possibilité. Une autre dimension du rôle des parents, j'allais dire de l'adulte, parce que c'est vrai aussi pour les enseignants, c'est le choix des livres. Dans les livres, les éditeurs qui s'adressent à l'enfance ont bien compris qu'il y avait un créneau intéressant. Et donc, il y a des choses très intéressantes et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins intéressantes. Et dans les choses, qu'est-ce qui est intéressant pour un livre? Un livre, c'est quelque chose qui va ouvrir à l'imaginaire de l'enfant. Hein, et il ne suffit pas d'habiller des animaux pour raconter une histoire. Hein. Donc il y a des maisons d'édition qui présentent des choses qui sont peut-être plus fouillées, hein, du point de vue du sens, mais ça c'est aussi un aspect qui est important. Voilà, moi je crois qu'il y a ces différentes facettes-là que l'on retrouve dans le rôle des parents. Je trouve que l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans la stratégie de l'école Yasmine que j'apprécie beaucoup. Donc, dans la continuité de l'accompagnement de nos enfants pour leur éducation et formation. Et ce que je trouve de plus intéressant, c'est qu'elle essaye de faire impliquer les parents, tout un chacun, dans l'éducation de nos enfants. Donc, l'intervention de madame aujourd'hui, c'était intéressant, enrichissant. J'ai découvert beaucoup de choses. Dans la mesure où la lecture maintenant est devenue étrangère à nos enfants, donc c'est l'occasion de renouer avec la lecture
avec tout ce qu'il a posé comme moyen, comme stratégie, comme méthode.